je suis favorable à la diversité. Diversité à la fois synchronique et diachronique. Je m'entends, je m'explique. Synchronique, parce que je suis favorable au colloque, je suis favorable à la confrontation des idées, mais je suis également favorable à la prise de conscience qu'un même auteur peut avoir des idées successivement ou peut avoir vécu des choses successivement, diversement. Et malheureusement, au niveau de l'écriture, on a tendance à gommer cette diversité. Par exemple, un chercheur, je veux dire l'intérêt d'Internet, d'une certaine manière. Internet a permis de faire connaître très rapidement ses idées. Mais en même temps, c'est piégeant. Parce que cette immédiateté, quelque part, va se retrouver confrontée à des changements de position qui ne vont pas tarder à se produire. Et par conséquent, la personne sera dans une situation inconfortable, puisqu'elle aura dit une chose, et puis après elle va dire une autre chose. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut absolument l'accepter. Il faut accepter que il y a une diversité dans la succession des idées, des publications, des échanges. Et que l'on ne cherche pas à occulter cette diversité comme on le fait le plus souvent. Moi, je sais que, effectivement, la règle du jeu veut que, lorsqu'on est en train d'écrire quelque chose, et que l'on change d'avis sur tel et tel point, eh bien, on évacue l'avis précédent, l'avis antérieur, hein, pour que ce soit bien lisse, bien toiletté, qu'il n'y ait pas de contradiction dans le temps. Et je pense que cette façon de faire les choses est révolue, cette façon de manipuler les faits est révolue, même si ça doit se faire aux dépens justement de cette espèce de lissage qui est assez séduisant par certains côtés. J'ai l'impression que les choses sont lisses comme ça, que ça se suit, mais ça donne une fausse idée de la réalité, de la créativité, et ça c'est fâcheux. Donc là on a un dilemme, soit on occulte la diversité chez un même auteur, on la réduit au minimum, soit on accepte de mettre en scène cette diversité. Et à ce moment-là, il y a des gens qui peuvent être perturbés par cela, parce que cette diversité les fait douter, en quelque sorte. On dit, ah oui, il a dit ça, puis après il a dit encore autre chose, etc. Or, quelqu'un d'intelligent se rend bien compte que s'il y a eu des changements, c'est parce que c'est un progrès. La personne a progressé dans son travail. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire apparaître ce progrès. Pour faire apparaître ce progrès, il faut en montrer les états successifs. Sinon, on ne prendra pas conscience de ce progrès.